bienvenue dans le monde de GR Suspension. Oui, toi. J'ai eu ça en cadeau. Ça marche. Ouais, ça va l'entendre. qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? C'est un snorkel à quoi ça sert? Aucune idée. Tu peux répondre si tu vas avoir. Non, tu peux répondre si tu vas avoir. Moi, ça va. Ben écoute, c'est bien simple. En fait, un snorkel, c'est une prise d'air surélevée. OK. Tu sais que nous autres, quand on fait de la trail ou des trucs comme ça, tu veux nous suivre maintenant, donc tu vas avoir besoin peut-être d'un truc comme ça. Quand on fait à travers une rivière, un gros cours d'eau, des trucs comme ça, la vague peut revenir une fois de temps en temps ou c'est trop profond, on rentre trop profond. Ta prise d'air moteur est ici à peu près. OK. Donc si l'eau rentre là, ça est c'est pas super. Fini. Exactement. Okay. Fait que pour prévenir des bris majeurs au moteur, on utilise un snorkel. Le AEV comme ça, ce qui est intéressant, vu qu'on a le hood déjà AEV, AEV est une marque évidemment. Oui, c'est ça. On peut l'embarquer, l'insérer directement en enlevant juste la petite grillage. On enlève le petit grillage, puis ça rentre là. Et voilà, puis ça vient se placer dans les alentours de ça. Évidemment, la partie qu'on voit dépasser rentre à l'intérieur du hood. Là. Plusieurs compagnies en offrent. On a Rugged Ridge qui en offre une aussi. La prise d'air va être un peu plus sur le côté. On va travailler la partie ici du véhicule au lieu d'aller avec le hood. OK. Après ça, on a ARB. ARB, c'est autre, de manière différente. On perce le véhicule ici. On vient rentrer le tuyau à l'intérieur ici. Ça dépend des gens. Il y en a qui ont de la misère à percer. Il y en a d'autres qui ça ne le dérange pas. Fait qu'il faut conseiller comme il faut les clients. Et au niveau des prix, c'est pas mal tout semblable. Il y a peut-être le Rugged Ridge qui est un petit peu moins cher, mais le reste, c'est pas mal tout semblable. Okay. Tu peux t'attendre 3 heures de travail environ d'installation. 3 heures, OK. Tu peux-tu garder ça l'hiver quand même? Ou l'hiver, absolument. Tu peux garder ça l'hiver sans problème. La plupart des gens, il y en a quelques-uns qui ont déjà posé des questions. Ils ont eu de la peur des glaçons qui sont formés ici. Ouais. Il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose qu'on donne comme petit truc, tu dévisses un petit peu ici, tu vires la flûte autrement dit en envers. Fait que quand tu conduis, en fait, la flûte est par en arrière. Puis l'air, la prise d'air est quand même très bonne. Aucun problème avec ça. La prise d'air est excellente à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un produit à avoir pour quelqu'un qui fait du hors-route. Très c'est important. C'est un beau cadeau. J'ai c'est un MOS, puis tu as eu un très beau cadeau. Vraiment c'est chanceux. Fait, okay. Pas de bon sens. Allez, merci. On va installer ça? Yes, on y va. Right now. OK, bien. Merci d'avoir été là. Vous avez des questions? Vous voulez avoir un vrai truck? Venez voir chez GR Suspension.